Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur Forza 6 Motorsport que j'ai reçu aujourd'hui. Du coup je fais une vidéo découverte dessus. À la base il devait pas arriver mais il arrive aujourd'hui. Donc on va commencer pour la première véhicule. J'ai fait la première course, je ne savais pas, donc maintenant je choisis le véhicule. Donc je sais pas trop quoi prendre. Une petite Subaru, Volkswagen ou la petite Toyota. La Subaru elle est vraiment classe. Je sais pas quoi prendre entre Subaru ou la Orange Toyota 2013. On peut pas, il n'y a pas plus d'informations, c'est dommage. Je pense que je vais prendre la petite Toyota. Je vais prendre la Toyota. Bon choix. Maintenant, personnalisez-la à votre convenance. Ouais. Les créations sont issues de votre super communauté de peintres. Vous pouvez en choisir une gratuitement pour l'appliquer sur votre voiture. Ouais, c'est cool. Ah, c'est classe les motifs. Oh là là, elles sont belles. Ah, la petite demeure. Ah, il n'y a pas grand. Ah oui, il y a grand chose. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas grand chose, mais si. Ah, c'est classe. Ah, par contre, celle-là, j'arrive pas à les voir. Peut-être parce que ça charge, je ne sais pas. Là, ils ont plus d'étoiles. Donc, le premier. Le deuxième. Ok. Ok. Je pense que je prends celui-là, il est vraiment classe, j'adore. Il y a celui-là qui a l'air drôle, qui est assez fun. Ah, c'est les autres qui sont arrivés. Ouais, noir. Il y a celle-là, le petit bleu blanche, bleu et blanc. Ouais. Ouais. Un Red Bull. Voilà, j'arrive pas à voir les autres. Est-ce qu'ils sont là? Alors, Red Bull, il y en a deux fois. Il n'y a pas grand-chose qui change en fait quand on regarde. Et Toyota normal avec le logo. Je pense que je vais prendre soit la petite noire qui était là, soit celle-là ou celle-là. Il y a une des deux, je prends. Donc je sais pas si je prends celui-là là ou l'autre. Donc je prends celui-là là. Attendez, je regarde. Ouais, je vais prendre celle-là. Voilà. Oui. Envoie s'il te plaît. Sélectionner. Voilà, c'est parti. Donc s'il y a des personnes qui jouent à Forza, bah dites-moi en commentaire, comme ça si vous voulez faire une petite course juste pour ça. Comme ça. Je connais pas trop comment c'est la course. Ouais, écoutez. On va faire comment c'est la course. Donc, au début. Géré par la technologie Alpha, chaque pilote est aussi unique et combatif que le joueur qui l'entraîne. Ah, elle est belle la petite Toyota. Au début, j'étais pas trop fan de Forza et des jeux de voiture, maintenant je suis fan, en fait, j'adore. Ah, on est beaucoup quand même. Ah, elle est belle. Ghost Recon en plus. Par contre, enfin, j'enlève juste la vibration parce que j'aime pas du tout. J'espère au moins finir dans les premiers, ça sera pas mal. Merde, putain, j'étais dedans. Je me mets à la vue comme ça. Après, si sur d'autres vidéos, si vous voulez que je change la vue, dites-moi le en commentaire. Mais je l'ai vu comme ça. Putain, il va vouloir doubler. Ouais, casse-toi. Putain, je me rends. Putain, ils en font exprès. Putain, du coup, je sers. Il y a combien de tours? 3 tours. Ah, le reflet dans le capot, ça gêne un peu. Voilà, on va se mettre comme ça. Bon, je suis deuxième tour. Oh putain. Mais putain, le mec, il en fait trop exprès. Ah, je vais me remettre comme ça parce que je vois pas du tout.
quand il sera pas devant moi, je vois pas du tout. C'est un peu chiant. Hop là, ah, la place de la caisse. Voilà, tranquille. Faut qu'on arrive. Premier, au moins ça va être pas mal. Et comme ça en plus Forza ça changera un peu de GTA. Ah la petite mini elle est classe. Putain merde j'étais dans Xbox One. Ah elle est classe la mini. Par contre j'avance pas. Je reviens un peu sur tous les autres touches. Direction, ok. Allez, faut que je monte là. Je me fais doubler par les mini. Ils sont tous là. Allez, 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 on est double, allez. Putain, je suis sorti. Là-bas, ils sont sortis. Faut pas que je les laisse passer, c'est bon. Oh, vas-y, putain. Oui, c'est planté. Allez c'est parti, il faut que j'accélère. C'est le dernier tour, faut que j'arrive au moins au premier. Faut que je finisse au moins dans les trois premiers, ça sera pas mal. Mais déjà le premier il est en tête donc il est loin. Ah, je reviens en fait derrière parce que on sait jamais. Putain avance. La Summer la ligne d'arrivée est devant. Putain, je me fais doubler par les mines. Ah, je pense qu'il faudra que je recommence. Là. Je suis 12e, c'est pas bon, on va recommencer. Ça change pas, c'est juste les levels niveau de difficulté définité plutôt. Je vais juste la recommencer. Résultat, il n'y a pas les paramètres dessus. Non, je pense pas, je trouve pas les paramètres. On va recommencer. Tu finis au moins dans les premiers, ça sera pas mal. Voilà. Et du coup ça sert à quoi? Ce menu vous permet de sélectionner la difficulté des drive avatar idéal pour le défi que vous recherchez. Augmenter la difficulté vous fera également... Pro non, on va mettre plutôt moyen. Comme c'était. Ce menu sera moyen, mais il sera plus facile de l'emporter. Ok. Galerie de départ. Grille de départ. Voilà c'est... Tous les personnes qui sont dedans. Et je vais juste voir les paramètres quand même pour changer. Vous pouvez modifier n'importe quel paramètre des aides au pilotage pour adapter votre expérience à vos préférences. Retirer les aides au pilotage nécessitera un plus grand contrôle de votre part, mais augmentera également vos gains en course. J'ai juste enlevé la vibration, je la trouve pas, la vibration. Boîte de vitesse, stack, automatique. Je trouve pas les vibrations, c'est pas grave. C'est pas grave, on va juste lancer la course et on verra ça par la suite quand même pour enlever les vibrations. Allez, espérons en finir premier. Putain, l'outil accélère direct, il est bien lui numéro 12. Putain, je me fais doubler. Elle avance pas la Toyota en fait. Je me suis fait avoir. Putain, c'est chiant ça pousse. Arrête-toi. Allez. T'es merde. Pousse-toi. Allez.
En fait, je sais pourquoi je perds, j'aime pas les vibrations, mais du coup ça me gêne un peu les vibrations sur la manette. Non, du coup ça c'est pour changer les touches. Allez mec, accélère. Treizième. Le virage, parfait. Parfait pour vous. Ah putain, là ça va doubler, ça va taper. Wow. Ouais. J'ai tout dépassé. Je suis 9ème quand même, c'est déjà pas mal. Putain, t'étais milieu à toi. Hein. Allez, 7ème, faut qu'on remonte un peu là. Non, 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 toi tu passes pas, toi, c'est mort. Putain, mais, ouais, mais elle a du mal à tourner en fait la voiture. Bah ouais, mais elle a trop du mal. Et purée, je vais recommencer. Elle a trop du mal la voiture, elle est sensible en fait quand elle tourne. On perd facilement le contrôle de la voiture. Pour la ramener, c'est plus dur. Après, quand ça fait longtemps que vous avez. Que j'ai pas joué à Forza, c'est normal. Le dernier que j'avais joué c'était sur 3-6. 3-6 c'était le Forza Horizon 2. Donc ça date. Putain, l'autre il accélère direct. Ah, oui. Non, te colle pas. Bah ouais, c'est normal. Tu quittes la piste du coup. J'ai l'impression que la voiture freine tout seul des fois. Voilà, les lumières elles s'allument tout seul. Pousse toi avec ta mini Volkswagen. Ça tape derrière, j'entends le bruit. C'est pas mal ça. Voilà, faut pas taper sinon on perd la vitesse. Voilà, c'est ça qui est bon. Deuxième tour. Je reste concentré. Hop. Putain, mais ouais, mais l'autre il va se foutre là. Non, non, quitte pas derrière. À lui. Et je crois qu'il allait taper dans les pneus. Ah, c'est pas mal, quatrième. Allez. Les trois autres sont devant. Toi, tu passeras pas, je t'ai serré dans le virage. Coupé en jeu sans bien. Ah, c'est une BM. Là, c'est BM. Voilà. Bien fake. Non. Et merde, j'ai regardé. Sur le PC, en fait. Ah, puis il me fait doubler pourtant. Ah, le seum. Et comme ça c'est pas mal pour la première vidéo de Forza. Allez. Un conseil, ne pas regarder le PC, c'est ça. Sinon je vais t'embêter tout le temps. Ah, toi je te double direct, voilà. Je suis 7ème. On va attraper les 6 là, c'est le jour.
la ligne d'arrivée, elle est juste devant. Allez, faut que je finisse, allez, allez, allez. Allez, va se foutre là. Dégage, dégage, dégage. Allez, laisse-moi passer. Ah putain, je finirai 5ème encore une fois. Non. J'aurais jamais de chance à la finir la première course. Hein. Tout ça parce que j'ai fait une erreur, j'ai rien. À chaque niveau de pilote supplémentaire, vous recevez un tirage de tombola. Bon, ça, vous avez remporté votre premier tirage. Vous pouvez gagner une nouvelle contre-vue, des packs de mode ou même une nouvelle voiture. Ah, c'est cool ça. Appuyez sur A pour arrêter et découvrir ce que vous avez gagné. Ah, je veux bien gagner la petite BM ou la voiture noire en milieu. Ah, c'est passé à côté. Ouais. BM. M4. Elle a vu la petite BM. J'ai jamais vu celle au milieu, la Woody. On va juste... Comme je peux péter, je suis obligé de gagner cette course. Bon. Au bout de 3 fois quand même, ça allait marcher. Dites-moi en commentaire combien de fois vous avez mis pour finir la première course. Si vous avez réussi au premier coup, si vous avez réussi au bout du deuxième, je sais pas. Je suis quand même au troisième. Voilà, on va pas les calculer. Parce que
La ligne d'arrivée elle est juste devant. Et. Du coup c'est fini. Yes. Enfin au bout de 3 fois quand même. Ouais. Magnifique. Promis. Au bout de 3 fois. C'était un peu chiant. Yes. C'est ça qui est bon. Du coup, je vais faire la dernière course et. C'est parti pour une course de nuit sur le circuit de Yasna Arena. La température de la piste descend après le coucher du soleil. Vous pouvez n'aurez pas la même adhérence. Pour l'emporter, la difficulté sera de trouver la limite de la traction sans la dépasser. D'accord, c'est assez cool. Ouais, du coup, il y en a 3 dans la course. D'accord, je savais pas ça par contre. Je pensais qu'il y avait qu'une course, et non, en fait il y en a 3. J'ai les mains qui glissent sur la manette. Elle est belle en fait en ghost. Avant de commencer la course, sélectionnez le mode. Je vais vous parler de cette nouvelle fonctionnalité. Ok. Les modes ont la possibilité de personnaliser votre expérience. Que ce soit pour aller encore plus vite ou pour augmenter le risque, les modes sont les outils qui. Mais vas-y, dépêche-toi. Alors, il y a quoi? Pouce. Ça n'a pas ce point. La position sur les grilles, d'accord. En pointillo, par exemple. Ici, vous pouvez choisir quel mode utiliser. Certains modes sont permanents, d'autres ne durent qu'une course. Voilà, c'est terrible. Sélectionnez un emplacement vide pour appliquer votre mode. Ça y est. Vous pouvez appliquer votre premier mode avec succès. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais je veux juste le savoir. Je vais faire la différence. Et je pense que je repars premier. Ah non. Je reste toujours à la même place. C'est juste magnifique de nuit quand même. Ça change. Oh, calme-toi toi derrière. Ah oh, ouais, faut se calmer les mecs. Doucement. Rio. C'est juste magnifique quand même de nuit, ça change. Allez, avance-toi. Allez. J'ai pas le temps maintenant, je pousse tout bon. Ah, il y a 2 tours, ça va déjà, c'est moins long. On lit le circuit doit être grand quand même. Oh, ça se tape déjà. Ah, désolé, je peux pas regarder. Ah non, c'est la ligne. Ah non, c'est pas encore la ligne d'arrivée. Allez. Tout simplement rester derrière. Il n'est pas revenu derrière non plus. Lui il nous a fait mal quand il nous a doublé le 7ème. Non, l'autre qui dépasse derrière. Je trouve ça dommage en fait, ça freine tout seul dans les virages. Je sais pas si on peut changer ça ou pas. Mais non, j'ai pas envie de revenir en arrière. Oh oui, je dépasse. Oh oui. Magnifique, je dépasse le 4ème. Allez, dégage. Laisse-moi passer sur le 4ème. Ah, tu es génial. Merci. Allez, toi aussi, laisse-moi passer. Ah là, magnifique, je dépasse la petite première qui est un peu moche. Ah, il a eu peur. Ah, même pas, c'était le 2ème. Ah là, je suis deuxième. Allez, faut que je rattrape le premier. Même si je suis une deuxième, c'est pas mal. Non, on va pas aller au stand. J'ai failli me faire avoir.
je serai parti au stand et je perds des places. Allez, hop là. C'est le dernier tour, allez. Dépêche, allez, 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 allez. Dites-moi aussi lesquelles voitures que vous avez, si vous avez essayé de débloquer des voitures, si laquelle vous avez le plus, que vous jouez le plus avec. Vous pouvez m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux, comme ça on peut voir les voitures que vous avez. Même juste mettre les noms dans les commentaires. Juste pour ça. Le petit feu d'archiviste qui vient commencer de rechanger de voir. Mais je sais pas pourquoi il va vouloir doubler. On va se foutre là. Je sais pas pourquoi je le sens et vous me doublez derrière. Ah là, on y va tranquille. Allez. Allez, 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 allez. Ah, je confonds tout le temps celle-là derrière, mais... Hop là, c'est magnifique, quoi. Par contre, le dernier col vraiment. Ah, juste faire gaffe. Ah. Pas trop vite, voilà. Ça doit être vraiment stylé jouer avec le volant. Comme il fait Calypso, ça doit être pas pareil. Mais ça doit être vraiment stylé. Voilà. Déjà, on est premier, c'est pas mal. Encore deux virages et ligne d'arrivée devant. Enfin, trois, on va dire, et demi. Premier, deuxième. Ah, c'est même quatre virages. On voit très bien le fait d'un surface devant. Et voilà. Et après le virage, ligne d'arrivée. Là, par contre, il me colle au cul derrière. Ça commence à être lourd. Voilà, allez. Il restera une course et c'est fini. Pour aujourd'hui. Bon, moi je suis mis premier, puis j'ai pas besoin de recommencer. À domicile en plus. C'est cool. À chaque niveau d'activité supplémentaire avec un constructeur, vous recevez des crédits. Ok, chaque fois. Mince! Ah non, c'est le dernier, la course. La qualification a lieu au circuit of the Americas. Les deux portions les plus importantes sont l'épingle menant à la longue ligne droite et la grande zone de dépassement montant jusqu'au virage 1. D'accord. Donc, c'est la dernière course et après, bah, du coup, ça va être la fin de la vidéo. Ça va être vraiment pas mal parce que je trouve ça cool. Parce que c'est marqué course 3 sur 3. Donc, c'est la dernière. Donc bien sûr si la vidéo est un peu trop longue, désolé. J'ai galéré au début mais voilà, faut s'habituer. Là, sur les deux, j'ai fini quand même premier. Si vous vous sentez prêt à passer la course, sélectionnez difficulté Drive Avatar pour modifier le niveau de vos adversaires selon vos préférences. Non, je laisse comme ça. Facilité, non. Permet ou d'être le plus réaliste possible. Non. Voilà, c'est comme ça pour l'instant. Je suis juste un débutant. Et après, c'est pour la course et la vidéo. Allez, c'est parti. La dernière. J'espère que je vais finir premier quand même. Ça tourne déjà. En plus, c'est la première qu'il faut faire gaffe dans deux virages. Oh, l'autre il a fait taper dedans. Je vais passer. Désolé. Oh, la petite Ford.
Ouais, mais par contre, il y a trop de virages, ça freine vite en fait. Mais dégage toi, ta voiture, purée. Je sors de la course du coup. Allez, faut pas chausser Joe, je regarde pas derrière, je reste concentré pour l'instant. C'est chaud parce que ça freine, donc du coup, bah, on n'a pas tant freiné. Ça, je suis déjà deuxième, c'est dur. Il y a deux tours, donc ça va aller vite, je pense. Radar, je vais le doubler ou même avant, après ça dépend. C'est vraiment comme ça, c'est fait. Je suis embêté, c'est blue. Oh, oui, de toute façon, voilà. Il y a une petite triche, j'ai triché, je l'avoue. Et vraiment comme ça, je sais, je vais finir premier. J'ai pas besoin de recommencer. Parce que ça se lève, on voit le sable bouger. C'est vraiment bien géré quand même. On voit vraiment le sable bouger quand il y a du vent. Et par contre, il y en a un qui est long sur la map, on le voit en bas. Je sais pas si c'est vraiment le dernier, mais il est long. Hein. C'est peut-être celui-là que j'ai poussé tout à l'heure, il y a eu un souci. Ouais, je pense que le dernier, il est vraiment un, ils sont deux. Les deux derniers, ils ont un souci. Parce qu'ils sont loin, l'autre il va arriver sur la ligne d'arrivée et l'autre. Il est juste dans le virage. Et en plus c'est le dernier tour. Donc c'est vraiment pas mal déjà pour la vidéo découverte sur Forza. Pour les personnes qui n'ont pas ou qui n'ont pas la Xbox One. Et en même temps ça change de GTA. Ouais, c'est bizarre, je vois pas la voiture, il y a plomb mais je vois pas. Il y a un souci, il n'y a pas le plomb derrière. Ah oui, elle est là-bas. Ah si, il y a une Mustang à voir après pour la suite. Je sais pas quoi prendre comme voiture pour la suite. J'aime bien les petites Mustang. Les Mustang qui sont pas mal. Voilà. Ça va être... Ah, j'ai refait comme tout à l'heure, c'est pas grave. En même temps, je suis en avance sur eux, c'est mieux. Et comme ça, c'est bientôt la ligne d'arrivée. Virage juste parfait, c'est classe. Et c'est la ligne d'arrivée. Tout le temps à voir ici depuis tout à l'heure et c'est pas mal. Allez, une petite vue sur la voiture quand même avec Ghost Dragon et on va voir ce qu'on a débloqué pour la fin. C'est cool, c'est vraiment assez cool, même si la vidéo elle est un peu trop longue, c'est pas grave. Donc niveau 2 je pense, voilà, non, logique. Et voilà, tirage. Des sous. En jaune, là, le lingot d'or, ça fait mal. Pas de voiture. C'est cool. Même si c'est pas ça que je voulais. Mais c'est déjà pas mal. Ok. Donc on va pas continuer, on va juste... comment on fait pour revenir en arrière? Ah si, je suis obligé de faire ça. Cool. Même si le premier j'ai du mal, c'est déjà pas mal. On va pas lancer. On va juste écouter. Nous allons en apprendre un peu plus sur les voitures haut de gamme. Donc sur là. Juste pas lancer la course, vous inquiétez pas. Juste voir à quoi ça ressemble. Et du coup, bah, pour la prochaine vidéo,
D'accord, c'est ça. Voulu en. Juste regarder c'est quoi. Du coup, je peux pas faire pause. Voilà. Chaque section est composée de trois championnats. Nous allons choisir quelle voiture vous allez utiliser pour chacun d'eux. Oui, d'accord, il y a plus de courses, ok. Je vais pas continuer. On va juste s'arrêter ici. Et du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de le dire en commentaire, de laisser un petit j'aime. Et du coup, je vais faire une autre partie sur Forza, donc la suite. Moi, je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Et tout le monde, salut!